Insomma, abbiamo sentito il primo intervento di Fulvio che sicuramente lancia molti spunti, ha fatto bene a ricordare come il dibattito intorno alla questione tunisina, ma più in generale sul processo di evoluzione arabi, sicuramente è un dibattito collettivo che si costruisce anche dentro i nostri percorsi di lotta, organizzazione, sulle pagine di InfoAut e nel dibattito che poniamo a livello transnazionale, appunto con le realtà che poi in questi territori portano avanti le lotte. Tra l'altro Fulvio è anche collaboratore del Manifesto, quindi anche sulle colonne, insomma, di questo giornale sono già apparsi degli articoli e sicuramente, insomma, è importante, come dire, concepire anche questi discorsi non appunto come semplici reportage giornalistici, ma come veramente un mattone importante di quella che è un dibattito che in tempi di crisi sicuramente è sempre più stringente e che ci deve vedere protagonisti quando andiamo a costruire anche percorsi appunto di rottura della crisi del neoliberismo. Detto questo, lascio la parola a Nidal Ciamek, che ovviamente ringraziamo per essere venuto qua a Bologna. Un'opportunità importante quella che abbiamo di poter parlare e discutere con Nidal oggi. Quindi, insomma, cerchiamo anche di confrontarci con vari giri di interventi. Adesso lascio la parola a Nidal. Merci, bonsoir. Je remercie bien sûr Fulvio ainsi que l'organisateur et les organisateurs de m'avoir invité. Je suis désolé, je vais parler en français, je ne parle pas en italien, donc je vais essayer de faire simple et précis. Et voilà. Ciao a tutti, io ringrazio gli organizzatori per avermi invitato qui a Bologna. Mi dispiace, non parlo l'italiano, parlerò in francese, cercherò di essere il più chiaro possibile. Je vais commencer peut-être en donnant un point d'information et en saluant aussi les camarades en Tunisie qui sont en ce moment en grève de la faim depuis quelques jours pour dénoncer en fait pour dénoncer le jugement et le dossier des martyrs qui est bloqué jusqu'à maintenant par le tribunal de l'armée, ainsi que le silence des gouvernements et des partis libéraux. Comincio nel dire che in questo momento ci sono dei compagni in Tunisia che stanno facendo uno sciopero della fame per denunciare il blocco che c'è riguardo al dossier dei martiri, che appunto è stato bloccato dai vari tribunali e insomma, dal governo che c'è in questo momento. Pour commencer, je pense que c'est important de revenir sur la question de la Casbah en tant qu'espace. Pourquoi les manifestants ils ont choisi la Casbah comme lieu d'occupation? Pourquoi pas d'autres? Tout en sachant que l'espace il n'est pas très grand, c'est un petit espace, il y a d'autres espaces qui sont plus grands. Mais le choix, il était aussi, il y avait un choix bien précis sur la question de l'espace de la Casbah. Et je pense que c'est important de revenir sur ça, de voir qu'est-ce qu'il y a autour comme pouvoir public et pourquoi il y a eu cette occupation dans cet espace. Volevo parlare delle questioni della Casbah e soprattutto cominciando nel dire, nello spiegare le motivazioni per cui è stato proprio scelto questo posto, che in realtà fisicamente non è un posto molto grande, e quindi tornare appunto sulle motivazioni appunto della scelta di questo luogo. Donc pour la Casbah, en fait, déjà son histoire, elle a une histoire bien particulière. C'était depuis l'époque aristocratique, au Moyen Âge, l'espace des gouverneurs. C'était un espace tenu par les beys, les grands aristocrates. Après, c'est devenu un espace de logement de population comme les juges, les grands politiciens. Et pendant l'occupation française, la Casbah s'est transformée en caserne et aussi des lieux où les grands généraux y habitent. Pendant l'indépendance, les casernes, elles étaient détruites, donc quasiment, et on a installé
la plupart des espaces, des lieux du gouvernement. La storia della Casbah è un po' questa, diciamo che dall'epoca degli aristocratici, quindi dal Medioevo, è sempre stato il luogo del potere, no? Dove appunto risiedevano gli aristocratici. In seguito è diventato luogo di giudici politici. Durante invece l'occupazione della Francia si è trasformata praticamente in una grande caserma dove vivevano anche i generali. E, quando però si raggiunse l'indipendenza, tutto, diciamo, è stato distrutto. Donc après l'indépendance, pendant l'époque de Bourguiba, après sous Ben Ali, l'espace de la Casbah est devenu le lieu vraiment du pouvoir. C'est-à-dire en rentrant à la Casbah, à droite il y a le ministère des Finances, à gauche le premier ministère, en face il y a l'école Sadiki, c'est une école aristocratique qui a fait sortir beaucoup de grands politiciens, entre autres. L'ancien président Bourguiba. Et juste à côté, il y a le ministre de la Défense. Et tout en bas, il y a comme un complexe de tribunaux et la cour de cassation. Et donc c'était plus ou moins normal que les manifestants, en réclamant des droits, viennent s'installer pour manifester devant le gouvernement, le premier ministère, ainsi que devant le ministère de la Défense. Quindi diciamo che la Casbah ha sempre rappresentato il luogo del potere, anche durante il governo di Bourguiba. Infatti, entrando nella Casbah, troviamo la sede del Ministero delle Finanze, la sede del Primo Ministero, ci sono anche delle scuole, una scuola aristocratica da cui. Anche nella quale diciamo, ha studiato Bourguiba. C'è il Ministero della Difesa, ci sono vari tribunali e quindi diciamo che era piuttosto normale che i manifestanti si recassero in questa zona per poter appunto manifestare. Et aussi peut-être pour expliquer une petite erreur qui tournait un peu sur Facebook ou sur Internet en général dans les articles. L'occupation, elle s'est installée en fait pas à la place de la Casbah. La place de la Casbah, elle était juste devant. Elle s'est installée dans la place, ce qu'on appelle la place du gouvernement. Et la première occupation de la Casbah, elle est venue suite à l'annonce officielle de la formation du premier gouvernement. Le gouvernement Ranouchi, qui était composé de Ranouchi, d'autres anciens ministères sous Ben Ali, ainsi que des technocrates qu'on a ramenés exprès de France et quelques représentants de partis libéraux. Volevo spiegare anche un piccolo errore che si è venuto a creare, che l'occupazione, diciamo, è partita a fianco a quella che è realmente la Casbah. Si è poi spostata, diciamo, proprio principalmente nella Casbah, dopo che insomma, ci fu il primo diciamo, ministero dove poi che venne presieduto da Runanchi. Con altri poi tecnici che vennero fatti anche tornare appositamente dalla Francia. Et donc, la première occupation de la Casbah, elle s'est faite presque entièrement par des gens qui sont venus du sud, sous le silence et devant le silence de la capitale, qui reste quand même le lieu de concentration des partis libéraux, de la société civile, qui est resté presque en silence devant la proposition officielle du gouvernement, des citoyens, généralement. De tout âge, des jeunes, mais aussi des moins jeunes, ils ont fait le trajet de plus de 300 mètres
peut-être jusqu'à la capitale, pour s'installer le 22 janvier à la place du gouvernement et demander deux choses qui étaient claires, la dissolution de l'RCD et la deuxième chose, l'installation d'une assemblée constituante. La prima occupazione della Casbah è stata fatta dalla maggior parte da persone che provenivano dal sud. C'è stata questa carovana di persone che hanno affrontato all'incirca 300 km per arrivare appunto alla Casbah. Mentre molte delle persone, insomma, che si trovavano lì erano totalmente in silenzio di fronte al governo. Tutto questo, diciamo, a partire dal 22 gennaio, e quello che rivendicavano era principalmente la fine del partito dell'RDC e la costituzione, insomma, la formazione di un'assemblea costituente. Bien sûr, la première Casbah n'a pas duré longtemps, elle a duré presque une quinzaine de jours. Elle a fini par une grande répression de la police. D'ailleurs, ça pose jusqu'à aujourd'hui un problème parce que le ministère de l'Intérieur disait qu'il n'a pas donné l'ordre pour utiliser la force et faire sortir les manifestants. Alors que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'armée, elle s'est mise en position de rien faire. Et d'un autre côté, c'est la police et les brigades qui sont rentrées directement sans aucune annonce au début. Ils ont réprimé tout le monde et ils ont fait sortir donc les manifestants de la place. Et donc la première Casbah, plus ou moins, elle a fini comme ça. La plupart des manifestants qui sont venus du sud sans rentrer avec un grand dégoût, surtout avec le manque de soutien des citoyens qui sont à Tunis. Et le reste, ils étaient peut-être une vingtaine, une trentaine de jeunes qui sont venus du sud sans rester à la capitale. Ils étaient dispersés, ils vivaient chez des amis et tout ça. Et c'est eux, et grâce à eux, plus ou moins, que la deuxième Casbah va se constituer. La prima Casbah è durata all'incirca 15 giorni, è finita con una grandissima repressione. Il ministro dell'Interno ha affermato di non aver dato l'ordine, quindi non è stato l'esercito a reprimere, bensì la polizia. E quindi diciamo che la prima Casbah è finita così, con molti dei manifestanti che si sono dispersi e che sono andati via. È rimasta, diciamo, una manciata di persone che poi è riuscita a dar vita a quella che è stata la seconda Casbah. Donc ces jeunes qui sont restés à Tunis, et c'est ce qui fait aussi l'importance de cette place, c'est qu'elle vient vraiment au centre entre le centre-ville d'un côté et de l'autre côté derrière tous les quartiers populaires de la banlieue de Tunis. Et c'est ce qui fait que, avec les relations aussi des militants qui sont à Tunis et d'autres jeunes qui sont venus des quartiers populaires, la nuit de la deuxième occupation, ils étaient presque, moi j'en faisais partie, on était peut-être une centaine de personnes à vouloir rester là-bas pour demander toujours les mêmes choses, la dissolution de l'RCD et la constitution d'une assemblée constituante. Une centaine qui a, vers les coups de 7 heures du matin, on était presque désespérés, il n'y avait aucun soutien. Et après, on a commencé à voir venir les collégiens, après les lycéens vers 9h. Et jusqu'à midi, vers midi 13h, il y avait déjà plus que 5 000 personnes. Et c'est un peu comme ça que la deuxième Casbah, elle s'est constituée. Bien sûr, avec tous les acquis de la première expérience, c'est-à-dire que dès le début, dès qu'on a occupé la place, on a commencé à former un comité de défense, un comité de communication, une petite cuisine s'est installée à côté, et tout a commencé déjà à marcher. In realtà
dire, dunque, l'importanza della casba è stata soprattutto, era rappresentata soprattutto dall'unione che si venne a creare tra il centro, quindi della città, e la periferia. All'incirca inizialmente c'erano 100 persone che continuavano comunque a richiedere appunto la fine del partito dell'RCD e la formazione di un'assemblea costituente, ma non c'era assolutamente nessun tipo di sostegno. Io ricordo che una mattina eravamo veramente in pochissimi. Ed erano circa le 9, dopodiché è iniziata ad arrivare gente, studenti soprattutto, fin quando verso mezzogiorno poi siamo diventati 5.000 persone. Da lì si sono iniziati a formare dei comitati di difesa, dei comitati di comunicazione, una cucina ed è partita, diciamo, l'auto-organizzazione. Et donc, dès la première semaine, il y a eu un commencement de soutien de militants de gauche, de syndicats aussi, et on a commencé à voir venir des gens aussi du sud. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas venus en individu, ils sont venus comme délégués ou comme comité de protection de la Révolution. Donc, on a atteint vraiment un niveau plus haut que la première Casbah, qui était vraiment disons la naissance d'une occupation, et la deuxième, elle était beaucoup plus organisée et beaucoup plus politisée. Et d'ailleurs aussi pour les demandes, elles sont formulées autrement. Donc au début, on a eu juste la dissolution de l'RCD et la constitution de l'Assemblée. Après la deuxième Casbah, il y a eu une formulation plus riche, où les manifestants demandaient la démission déjà du Premier ministre de Ranouchi et de son gouvernement, la dissolution de l'RCD bien sûr, une assemblée constituante, la dissolution du Parlement, la dissolution de la constituante de 59 qui était en place, le jugement de tous les corrompus qui étaient au gouvernement, le jugement des ceux qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants et ceux qui ont décidé, et surtout la formation d'un conseil de protection de la Révolution. Sin dalla prima settimana è iniziato poi ad arrivare in realtà un gran sostegno da parte di militanti di sinistra, di sindacalisti, da parte di persone che provenivano dal sud come delegazioni ancora più organizzate. Infatti il livello della seconda casba è un livello più alto rispetto a quello della prima casba. C'era appunto più organizzazione, era più politicizzata e si iniziavano a formulare delle richieste più chiari, quindi oltre appunto alla fine dell'RCD e della formazione di un'assemblea costituente, si chiedevano le dimissioni di Ranucci, del Parlamento, il cambiamento della Costituzione del 59. Par rapport à ces demandes, ce qui posait plus ou moins polémique pendant cette deuxième occupation, et ce qui pose jusqu'à aujourd'hui encore une polémique, c'est le fait de dire que les demandes sont restées simples, elles ne sont pas vraiment formulées et développées. Certes, il y avait un manque de formulation et de développement des demandes. Mais ce qui est surtout important et ce qui posait vraiment un danger par rapport au gouvernement, c'est qu'en dehors de la pratique contestataire du gouvernement, les gens dans l'occupation commençaient à organiser leur vie quotidienne indépendamment du pouvoir. Et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes dans cette occupation, c'est-à-dire de créer un pouvoir parallèle, en fait. Les gens n'avaient plus besoin des institutions, n'avaient plus besoin du gouvernement, ils avaient leurs institutions à eux, leurs représentants, leurs délégués. Et une vie, c'est comme si une vie en parallèle, autogestionnaire, commençait à naître en parallèle d'un État dictatorial. Ah,
Alcune polemiche che sono sorte e che ci sono ancora oggi riguardano quelle che sono state le formulazioni di quello che si richiedeva, in quanto si sosteneva che fossero domande, richieste troppo semplici, non ben configurate, diciamo. Solo che per me la cosa più importante è stata che le persone, la gente cominciava ad organizzare la propria vita, quindi la vita quotidiana al di fuori al di fuori di quelle che potevano essere le logiche del governo, quindi si è venuto proprio a creare un potere parallelo al governo dittatoriale. Et parallèlement à cette occupation, il y avait une autre occupation, pseudo, si on peut appeler ça une occupation. C'était un rassemblement à la Coba. C'est une place dans un quartier plus ou moins bourgeois, assez aisé, et qui a rassemblé tous les partis libéraux, les petits bourgeois, les petits intellectuels qui étaient avec le gouvernement Ranucci. Et leur demande, c'était le maintien, bien sûr, du gouvernement en place, le retour au travail, arrêter les émeutes, les manifestations, le pays va tomber dans une crise économique, il va plus avoir de touristes et tout ça. Donc on avait, pendant les derniers jours, plus ou moins deux pôles. D'un côté, il y avait la Casbah, et d'un autre côté, il y avait tous les libéraux et les intellectuels. Et c'est la première, je pense, c'est la première manifestation concrète de la fracture au sein de la révolution, plus ou moins de la contestation tunisienne, qui est devenue une. Au début, c'était plus ou moins une unité. Ça n'a jamais réellement été une unité, mais. Pour la première fois, on voit réellement la fracture sociale entre les révolutionnaires et la population, et de l'autre côté, les intellectuels, les petits bourgeois et les partis libéraux, qu'ils soient de droite ou ce qu'on appelle plus ou moins de gauche. Parallelamente, diciamo che si era creata un'altra occupazione, che era quella formata dai partiti liberali, dalla borghesia e da vari intellettualoidi. La loro richiesta era quella di mantenere il governo, seppur di transizione, di terminare gli scioperi, quindi di tornare al lavoro, per paura che il paese potesse cadere in una forte crisi. Quindi diciamo che gli ultimi giorni si erano creati un po' due poli, no? All'interno della Casbah, tra il polo diciamo, formato dal popolo e quello invece formato da questi intellettuali liberali. Quindi c'era proprio si è iniziata a creare una netta frattura all'interno della rivoluzione. Donc la seule solution pour le gouvernement en place par rapport aux demandes de l'occupation de la Casbah, c'est plus ou moins de l'adopter. Parce qu'il n'avait presque pas le choix, surtout que la contestation elle a atteint réellement son point extrême le 25 février le soir, où des manifestations, la plupart sont venues de quartiers populaires, avec d'autres qui sont descendus de la Casbah. Des émeutes qui ont duré des heures le soir au centre-ville et qui ont atteint directement le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le premier étage ou le deuxième, il était fracturé un peu partout. Et le lendemain, Ranouchi, officiellement, il démissionne. Et les manifestants qui étaient à la Coba, ils sont partis, bien sûr, le soir, même devant sa maison, à pleurer, à lui demander de revenir et tout ça. Et il a adopté aussi tous les points presque de la demande des occupants de la Casbah. La soluzione del governo, per quanto riguarda l'occupazione della Casbah
diciamo, ha avuto una data importante che è quella del 25 febbraio, quando Ganucci ha dato ufficialmente le sue dimissioni. C'è stata una parte, diciamo, come si diceva prima, di persone che sono addirittura andati, che è andata addirittura fin sotto casa sua, a piangere, però poi in realtà, i vari punti, insomma, delle richieste dell'occupazione della Casbah sono rimasti. Et donc ces points adoptés par le gouvernement, c'est ces points qui vont après préparer plus ou moins le terrain pour les élections. Parce qu'il faut savoir exactement comment ces points ont été adoptés et comment le gouvernement les a plus ou moins réalisés. Par rapport à la dissolution, par exemple, de la police politique, il n'a fait que enlever les têtes connues, parce qu'on connaît tous, surtout les militants. Les policiers, il les a remplacés par d'autres. L'RCD, il était officiellement dissous, mais tous ses membres, et surtout ses membres actifs, ont constitué d'autres partis. C'est-à-dire, on avait un seul parti qui était l'RCD. Il était dissous, et il a constitué en lui-même 40 autres partis. Pareil aussi pour le jugement et tout ça des responsables. Ils étaient jugés le jour même, ils sortaient. Il y a d'autres qui ont fui. Et après, ils ont annoncé aussi la date du 21 octobre, après qu'on a retardé, pour l'Assemblée constituante. Je pense qu'il est important, malgré la simplicité du programme de l'occupation de la Casbah, c'est que. C'est une formule de plusieurs programmes qui reste quand même assez unie. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante que demandait l'occupation de la Casbah, elle ne pouvait pas réellement et concrètement se faire dans la démocratie si l'ensemble des autres points ne se réalisent pas. Et c'est un peu logique, parce que c'est ces points en fait qui vont préparer un terrain plus ou moins libre et démocratique pour avoir des élections démocratiques. Bien sûr, de l'autre côté, le gouvernement, il n'a fait que réaliser artificiellement ses demandes et on est arrivé après à la date des élections avec des conditions complètement non démocratiques, c'est-à-dire que toutes les appareils, toutes les institutions de l'État, elles étaient les mêmes, la corruption, elle était les mêmes, ceux qui travaillaient dans le système dictatorial, c'est les mêmes. Et c'était un peu logique pour les révolutionnaires qui ont boycotté beaucoup les élections que ces élections ne donneront qu'une fausse image de la révolution tunisienne. Je pense que dans les médias, ils ont beaucoup travaillé sur cette question des élections, ils poussaient les gens à aller lire, mais il ne faut pas se leurrer. Concrètement, il n'y a eu que 50, même pas 50%. De la population qui est partie pour les élections. Il y a eu presque 2 millions ou je ne sais pas combien de votants qui étaient réellement morts ou n'existaient pas, sans parler bien sûr de l'argent qui passait entre les partis, l'achat des voix et tout cela. Diciamo che tutto quello che poi è stato realizzato dal governo per quanto riguarda i punti proposti erano semplicemente una preparazione per il terreno di quelle che sarebbero state le future elezioni. Tra quello che è stato immediatamente realizzato c'è stato per esempio l'eliminazione di alcuni meccanismi all'interno della polizia, però diciamo che semplicemente alcuni poliziotti sono stati rimpiazzati da altri. Per quanto riguarda invece il partito dell'RCD, che è svanito, quello che è successo è che i membri che facevano parte di questo partito ne hanno poi costituito degli altri, addirittura si contano 40 partiti che sono stati costituiti dopo la fine dell'RCD.
non sono stati assolutamente giudicati irresponsabili, quindi non si è fatta verità su quelli che appunto erano ritenuti irresponsabili dei vari omicidi che ci sono stati durante gli scontri, nelle manifestazioni. Quindi diciamo semplicemente quello che ha fatto il governo è stata una realizzazione molto superficiale di quello che veniva, di quelli che invece venivano chiesti come cambiamenti. Quindi le elezioni sono un po' una finta immagine di quella che è stata realmente la rivoluzione, in quanto la corruzione è rimasta, le persone che erano al potere sono rimaste e durante le elezioni è stato la percentuale di chi è andato a votare è stata del 50%. Sono stati trovati anche diversi errori all'interno di queste votazioni. Ad esempio, sono risultati dei morti che hanno votato, quindi persone che non erano più in vita, e i soldi, diciamo, sono continuati a circolare tra i vari partiti. Voilà, donc c'est un peu dans ces conditions que la deuxième Casbah elle s'est dissoute, c'est-à-dire que les manifestants qui sont venus du sud sont rentrés. Il y avait une minorité qui s'opposait plus ou moins à l'arrêt de l'occupation. Ils voulaient continuer. Pour eux, le gouvernement ne va pas réellement réaliser ses objectifs. Et sous donc Sepsi, qui était un ancien ministre de Bourguiba, c'est lui qui a constitué plus ou moins la police de la Sûreté nationale. Il a travaillé aussi au sein du ministère de l'Intérieur. Qu'il y a eu d'autres tentatives d'occupation de la Casbah, notamment le 15 juillet, je pense, où il y avait un mort, un jeune adolescent, Sidi Bouzid, pendant une manifestation. Fulvio, il était présent. C'est une manifestation qui voulait occuper la Casbah, qui a fini vraiment dans la violence. C'est dans cette période aussi où on a essayé d'instaurer une nouvelle fracture au sein de la contestation tunisienne, qui est fracture entre les islamistes qui commençaient à monter, qui étaient quasiment absents au début, et de l'autre côté, qu'ils appellent eux-mêmes les modernistes ou les laïcs. Diciamo che è terminata così la seconda Casbah, quindi molte delle persone che vi avevano partecipato sono rientrate nelle zone del sud, soltanto che molti di noi volevano continuare a lottare in quanto il governo non aveva appunto realizzato quello che realmente si chiedeva. È salito al potere Suebsi, che è stato già in precedenza un politico, aveva fatto parte della polizia della sicurezza, quindi della sicurezza, aveva fatto parte anche del Ministero degli Interni. Si sono susseguite altre manifestazioni il 15 luglio. Durante una di queste è morto un ragazzo di 14 anni. Manifestazioni manifestazione con la quale si voleva rioccupare la Casbah, ma che è terminata in violenza. Inoltre si è venuta a creare un'ulteriore frattura, in quanto sono apparsi per la prima volta gli islamici, che nelle precedenti casbe non avevano avuto nessun tipo di rilevanza. Quindi c'erano appunto gli islamici da una parte e i modernisti dall'altra. Donc cette fracture plus ou moins artificielle au sein de la société tunisienne, elle s'est encore ancrée après les élections.
Et ça, par la participation des deux camps, c'est-à-dire le côté des partis islamistes et de l'autre côté les partis libéraux modernistes. Et on est arrivé aujourd'hui, après les élections, à l'effacement total des demandes réelles de la révolution, qui sont la justice sociale, la dignité, le travail, c'est-à-dire toutes ces demandes sociales et politiques. Et on ne voit aujourd'hui, du moins dans la vie politique officielle, que des conflits entre des modernistes et des islamistes sur des questions qui restent quand même secondaires, qui sont de l'ordre de la liberté d'expression et les libertés individuelles. Et je pense aujourd'hui, ce qui est important aussi par rapport à la Casbah, c'est ces questions mêmes. Si la révolution tunisienne et les révolutionnaires veulent vraiment continuer et développer ce qui s'est passé au début à la Casbah 1 et 2, c'est de revenir sur ces mêmes objectifs et se reposer sur le mot d'ordre qui était le mot d'ordre de la révolution, c'est la chute du régime. Quindi diciamo che appunto da una parte si erano creati questi partiti degli islamisti e dall'altra quelli dei liberal modernisti, però si era un po' perso appunto di vista quelle che erano realmente le richieste delle prime due casbe, ossia di giustizia sociale, di dignità e di lavoro. Esistevano solamente i conflitti appunto tra questi vari partiti che si erano venuti a creare. Tutto il resto invece passava in secondo piano. Invece se la rivoluzione tunisina vuole comunque continuare ad andare avanti e portare quelli che invece erano gli obiettivi della prima e della seconda casba, bisogna sicuramente tornare su quegli obiettivi e non perdere mai di vista quello che era il punto principale, che era la fine del regime. Merci.